Bonjour mes petits anges, mes petites perles, comment allez-vous? Alors on va aller voir quel message est-ce qu'on a pour vous aujourd'hui. On va commencer par notre rituel de protection avec notre cher maître Saint-Germain. Vous pouvez visualiser la flamme violette et dorée de notre cher maître Saint-Germain qui vous entoure et qui vous protège. Cher maître Saint-Germain et ta flamme violette, je te demande d'équilibrer et d'harmoniser instantanément tous mes chakras et tous les chakras de toutes les personnes qui vont écouter ma guidance. Merci, merci, merci. J'appelle tous mes guides, tous les anges, tous les archanges, tous les maîtres ascensionnés, et je leur demande d'être avec nous et de nous accompagner pendant cette guidance. Merci. Archange Michael, je te demande d'être avec nous et de nous protéger pendant cette guidance et après. Merci, merci, merci. Alors, on y va. Quel message a-t-on? Ouf, ouais. Bah alors déjà, j'ai eu le miracle en dos de deck. J'ai confiance en Dieu pour trouver la solution idéale à ce problème. Là, déjà, on a quelqu'un qui a confiance, qui sent que justement comment on va dire, la délivrance arrive par rapport justement à ce problème. C'est une personne qui, alors c'est des messages qui peuvent vous être adressés à vous ou à la personne à laquelle vous pensez. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une situation depuis pas mal de temps. Et là. Qui ressent dans son fort intérieur, qu'il est temps comment on va dire, de changer de direction et qui a confiance justement en ses ressentis. Voilà, je viens de couper, qu'est-ce qu'on a? Le pardon. Je souhaite libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier ma vie. C'est ça. C'est quelqu'un qui ressent son mal-être depuis pas mal de temps dans la situation dans laquelle il se trouve. Alors ça peut être plusieurs choses en même temps, mais ça peut être sentimental, professionnel, amical, familial. C'est une personne qui vit des situations et avec des personnes aussi qui ne lui conviennent pas, qui le mettent dans un mal-être. Et ce, depuis longtemps. Et là, c'est quelqu'un qui a l'impression qu'il est en train de se. C'est comme des nœuds qui sont en train de se dénouer. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est en train de dénouer tous les nœuds qu'il y avait. Et c'est ça, c'est les blessures. Hein. C'est exactement ça qui est en train justement de libérer d'anciens ressentiments pour pouvoir apprécier sa vie présente et surtout avoir l'enthousiasme et l'optimisme. Ouais, ça se dit, non, l'optimisme. justement, d'apprécier sa vie future aussi. Alors, on va aller voir. Et oui, s'il vous plaît, quel message a-t-on aujourd'hui pour vous? Ouh! Allez, ça commence. Je recommence à crier. Waouh! Alors là, on a Dieu et mariage. Alors déjà, c'est ça. Je sors de la lutte et abandonne tout besoin de contrôle afin de céder à la place, afin de céder la place à l'amour dans mon cœur et dans cette situation. Et je m'engage à une relation saine avec Dieu, moi-même et mon partenaire. C'est quelqu'un qui n'en peut plus comment on va dire, de rester. C'est une personne qui, malgré elle-même, reste dans une situation qui ne lui convient pas. C'est les ressentiments, hein, c'est les ressentiments, la culpabilité, les peurs, les doutes, qui l'ont laissé stagner, on va dire. Mais là, donc c'est une personne qui luttait contre elle-même, finalement, contre son mal-être, hein, et ses émotions. Mais là, tout remonte à la surface. Hein, et c'est quelqu'un qui sort de la lutte. Qui sort de la lutte parce que en luttant, je vois comme le corps qui se bloque. Il y a comme des blocages. D'ailleurs, là, beaucoup de personnes ont des. Comment on va dire? C'est nerveux, hein?
Genre quand il marche, quand des personnes marchent, il y a comme le genou qui flanche, ou les mains qui se bloquent, enfin n'importe quelle partie du corps qui. C'est comme si tétanisé, ils me disent. C'est une personne qui, finalement, ne réagissait plus. Ne réagissait. C'est tellement enfermé dans ses mal-être que finalement, elle ne réagissait plus. Ouais. Elle était comme tétanisée par. Tétanisée. Et c'est ça qui l'a fait, justement, rester dans faire du surplace et ne pas s'extirper. Ouais, ne pas s'extirper de cette situation. Alors, on va aller voir dans quelle énergie est cette personne. Waouh! Voyez, ne craignez point, petit troupeau, car il a plu à votre père de vous donner le royaume. Ah oui, c'est quelqu'un qui a craint. Allez, qui a craint. Ouais, c'est les peurs, la culpabilité, les doutes. Tout ça qui l'a fait finalement faire du surplace. Mais voilà le message. Votre père vous a donné le royaume. Ben, c'est justement ça, le royaume de la compréhension, de la guérison. Et tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ben, c'est ça. En croyant qu'on l'a reçu, c'est-à-dire en émettant comment on dit? Parce que tout est énergie, tout est vibration. Donc en croyant qu'on l'a reçu, ben qu'est-ce qu'on émane, on va dire, c'est une énergie justement, d'optimisme, d'enthousiasme, de joie. Et ben on se l'attire finalement. Ça arrive vraiment. Alors, s'il vous plaît, dans quelles énergies est cette personne? À laquelle vous pensez par rapport à cette situation, dans quelle énergie, merci. Ouais, waouh, voyez, elle est tombée là, hein. Sortez de la lutte, hein, et engagez-vous justement à une relation saine. Hein. C'est quelqu'un qui veut sortir de la lutte, qui en a marre clairement, de se sacrifier et de lutter contre son bien-être, son bonheur finalement. Et voilà, reprends courage, ta foi t'a sauvée. D'ailleurs, c'est une personne aussi là que j'entends qui avait du mal à se faire confiance, qui avait du mal à voir justement ses qualités, ce qu'elle est capable de faire. C'est quelqu'un qui est capable de. Vous êtes quelqu'un une force intérieure inouïe. Hein. D'ailleurs, cette personne, quand elle y repense, elle dit, c'est vrai, finalement, tout ce que j'ai passé, tout ce qui m'est arrivé et tout. Ouais, et là, les guides me disent que cette personne, elle peut être fière d'elle parce que quand elle réfléchit vraiment, elle peut vraiment être fière d'elle et dans tous les comment on va dire, les domaines. Hein. Par contre, c'est quelqu'un qui avait perdu confiance en lui parce que j'entends que c'est une personne qui se faisait rabaisser, qui se faisait à chaque fois, on lui faisait des remarques, c'est quelqu'un qui se dit qu'il ne faisait jamais assez bien finalement. Et du coup, c'est une personne qui s'est renfermée sur elle-même, qui avait perdu confiance en elle et qui était comment on va dire, dans le labyrinthe, c'est ça, qui ne se retrouvait plus dans ce labyrinthe de mal-être finalement. Vous voyez, frappez, l'on vous ouvrira. C'est quelqu'un qui va demander de l'aide, ou à l'extérieur, ou en lui-même. C'est quelqu'un qui. Parce que j'entends que beaucoup ne demandent pas d'aide extérieurement, puisque c'est des personnes qui ont perdu confiance en elles-mêmes et du coup en les autres, qui ont très difficile à refaire confiance hein, d'ailleurs et à se confier. Mais elles vont retrouver les clés en elles-mêmes finalement. C'est ça. C'est quelqu'un, c'est comme si elle frappait à sa porte elle-même en disant, mais alors. Vraiment que c'est comme si cette personne elle allait se parler à elle-même en étant quelqu'un d'autre et voir sa vie et l'entendre justement se confier, etc. C'est comme si elle se confiait à elle-même, comme si elle était un enfant
Ouais, c'est ça, là. Les guides me disent, c'est comme si vous étiez vous et que vous regardiez quand vous étiez petit et que donc cet enfant vous racontait sa vie et que vous lui disiez, waouh, mais qu'est-ce que vous lui diriez? Mais c'est exactement ça. Cette personne, elle va faire ce qu'elle se dirait elle-même, ce qu'elle dirait elle-même à elle-même, quoi. Cette personne qui vit tout ça. Et du coup, clairement, ça change tout. C'est complètement, ça, c'est comme si tout était rasé. Bah oui, toutes ces croyances, on va dire, erronées finalement, vont disparaître parce que c'est quelqu'un qui va avoir une prise de conscience comme ça. Il va se dire, waouh, c'est pas vrai. C'est quelqu'un qui va céder. Bah oui, céder même. Waouh. Vous voyez? C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Encore. Le mystère, c'est quoi? C'est ça. C'est arrêter de se sacrifier pour aller vers sa perte finalement. Sa perte émotionnelle, sa perte intérieure. Et finalement, aller vers la vie. Vers la vie. Et j'entends, elle passe tellement vite. Alors, on y va. Ben justement, je vais prendre le tarot psychique. On va aller voir. Ouais, on a le pouvoir. Ben oui, c'est quelqu'un qui reprend son pouvoir. Alors, s'il vous plaît, on va aller voir. Reconnaissance et récompense. Voyez, c'est quelqu'un encore qui reçoit des messages de l'univers chaque jour, comment on dit, des éclaircissements, ouais, et qui s'incline, qui est reconnaissant, qui est en gratitude. Et là, les guides me disent, au plus on est en gratitude pour ce qui nous arrive, que ce soit bon ou mauvais. Parce que évidemment, quand c'est mauvais, on se dit, bah oui, on va pas dire merci. Bah si, parce que justement, tout ce qui nous arrive comme ça, de mauvais, justement, c'est pour nous montrer. Pour nous faire réfléchir et du coup ça nous arrivera plus donc merci. Alors s'il vous plaît, au plus on est en gratitude, au plus les cadeaux justement de la vie tombent comme des éclairs de lumière. C'est exactement ça. Alors s'il vous plaît, que va faire cette personne-là par rapport à ces... Ouh, punaise. Alors là, ils sont tous tombés. Bon, mais je dois les prendre. Oh! Alors déjà, c'est quelqu'un, qui se souvient, qui dans ces moments de solitude, justement, hein, parce que c'est quelqu'un qui peut être très entouré, qui est très demandé, etc. Mais dans les peu de moments de solitude qu'il a, alors que ce soit vraiment seul ou au milieu de la foule, mais c'est un moment de solitude, c'est comme si, il disparaissait. C'est une personne qui se souvient justement de ses sensations, de cet amour, de cette personne, de cette personne, des émotions qu'elle ressent. Et vous voyez, c'est ça, c'est une bougie, c'est cette flamme qui s'est jamais éteinte. C'est une personne qui a allumé votre flamme, qui a réallumé votre flamme, ou l'inverse, hein. Et qui s'est pas éteinte, et à chaque fois, ça lui éblouit le cœur. Voilà. C'est la fête. C'est quelqu'un qui se dit que la vie, finalement, c'est être bien, être en joie. C'est la fête tous les jours, hein. Et c'est ça, hein, voyez? Ouais, les plaisirs. Encore, le chakra sacré, c'est les plaisirs. Et pas seulement le plaisir charnel, c'est tous les plaisirs. Il y a des plaisirs, n'importe. Des simples moments avec des personnes sincères en qui on peut avoir confiance, c'est un plaisir, parce que c'est rare. Et là, qu'est-ce que j'allais dire? Ah oui, je voyais Alice. Alice au pays des merveilles. Pourquoi ils me disent de vous dire ça? Comment? Là, réjouissance et fête, par exemple. On fête notre anniversaire, par exemple. Ou on fête
J'en sais rien, moi. Ben justement, la Saint-Valentin, c'est dans pas longtemps. Ou notre anniversaire, enfin n'importe quoi, des fêtes qu'on fête, ou notre jour saint, voilà. Et là, les guides me disent, mais pourquoi attendre justement notre anniversaire, ou la Saint-Valentin, ou quoi que ce soit? Et Alice, il y avait le lapin, là. Sûrement que vous connaissez le lapin, qu'est-ce qu'il faisait? Il courait tout le temps, et lui, en fait, il disait qu'il fêtait son non-anniversaire. Hein? Donc c'est mieux, quoi. Au lieu de le fêter un jour par an, en fait, on le fête 364 jours, et le jour aussi. Donc du coup, on peut fêter tous les jours n'importe quoi. Hein? On n'a pas besoin de... C'est exactement ça. Cette personne, elle se dit ça. Elle se dit que la vie, elle passe vite, finalement. Ouais, parce que là, j'entends que c'est une personne aussi qui a vu... ou des personnes de proches d'elle, ou moins, mais en tout cas qui voient que bah forcément la vie est courte, que les personnes à un moment donné disparaissent, parfois tard, parfois tôt. Et justement, ça on ne sait pas le savoir à l'avance. C'est ça, c'est. Et justement, c'est quelqu'un qui se dit qu'elle a son libre arbitre, justement, de façon à ce que, mais au moins. Elle est juste, c'est ça, profiter de la vie. Et profiter, c'est pas être égoïste. Hein, c'est pas être égoïste, mais c'est pas non plus se sacrifier. Voilà, c'est une personne qui a vraiment le besoin. Et c'est le corps, hein, j'entends encore que ça passe par le corps. Cette personne, elle a oublié, elle a essayé de faire taire son émotionnel, mais là, son corps lui réclame. Hein. Chakra sacré. C'est quelqu'un, je ressens encore que c'est une personne qui avait peur de ne pas être à la hauteur. On a encore la reconnaissance et la récompense. C'est quelqu'un qui s'incline justement, vous voyez, il est entouré d'un tube de lumière. C'est une personne qui est illuminée par tout ce qui lui arrive et qui est reconnaissant. Qui sait que c'est une récompense en fait, hein, pour toutes les souffrances qu'il a eues. Voilà, c'est une personne qui a une grande force. Une grande force, justement, intérieure. Waouh! Et c'est quelqu'un qui est coincé, en tout cas qui jusqu'à présent était coincé dans des fondations solides. Alors ça peut être quelqu'un qui était déjà engagé, ou qui, ça peut être avec de la famille, professionnellement, sous contrat, ou plusieurs choses en même temps. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui était vraiment ancré dans la matière, qui. Voilà. Et c'est une personne qui. D'ailleurs, j'ai dit au départ qu'il ne parle pas, qu'il ne se confie pas, et c'est ça. C'est quelqu'un qui a toujours eu difficile à s'exprimer, à exprimer ses ressentis et à dire simplement ce qu'il ressentait. Ça l'a fait se renfermer dans son malheur. Hein. Et c'est une personne qui est attachée à quelqu'un, hein, que ce soit. En engagement sentimental ou professionnel, ou un engagement comme ça, parce que voilà, c'est comme ça, ça peut être, je vous dis encore, la famille, les amis, n'importe, c'est comme si on était attaché, et c'était ancré, et c'est quelqu'un qui avait très difficile à en parler en plus. Alors, s'il vous plaît, que va faire cette personne par rapport à vous? Ouh, punaise! Alors, le triomphe. Alors là, j'ai demandé que va faire cette personne. On a encore le nouvel amour. Ben, clairement, c'est quelqu'un. Cette personne, elle le pense. On l'a déjà vu, les souvenirs d'amour. Ce qu'elle veut, c'est ça, c'est vivre ce nouvel amour, ce grand amour. L'arc-en-ciel, vous voyez. C'est ça. Vivre enfin la vie de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et pas la vivre en gris. On a le triomphe en dessous du chakra sacré. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui va arriver comme ça, voilà. Le cavalier, alors c'est une personne qui est en mouvement, hein. En tout cas ça bouge. D'ailleurs, vous voyez le drapeau aussi, il est orangé. C'est quelqu'un clairement, qui veut là profiter de la vie. Voilà, qui se dit que ça passe, ça passe. Le compteur tourne exactement, le compteur tourne parce que le temps n'existe pas. On va dire, voilà, pour notre âme, mais nous, pour nous, voilà, ici, dans notre corps physique, il existe, puisque hein, forcément, on va tous disparaître un jour, notre enveloppe corporelle, on va dire.
Voilà. C'est quelqu'un qui va, j'entends, qui va se délester justement de ce sacrifice. On a encore l'arc-en-ciel. Vous voyez, qui va se relever comme ça et qui va justement, au lieu de rester dans les eaux troubles, eh bien va aller vers la lumière. Et les eaux troubles, c'est le sacrifice. Bah oui, forcément, Leïla, on a compris. Qui va, comment on va dire, bah, passer au-dessus justement des obstacles et des obstacles qui l'empêchaient d'aller vers justement son bien-être, et des défis aussi. C'est une personne qui a été poussée, bah, forcément, à passer les obstacles, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas d'obstacles, bah, c'est ça justement le royaume, hein. C'est se faire violence à soi-même, justement, c'est ça le défi. Le défi, c'est ça. On sait très bien qu'on est dans le sacrifice, etc. On sait très bien les émotions qu'on ressent, mais il y a des obstacles. Et le défi, c'est quoi? Ben, c'est de les surmonter. C'est surmonter, c'est les obstacles déjà qui sont là, mais aussi surmonter l'obstacle intérieur. La peur, le doute, le manque de confiance. Voilà, c'est une personne qui va vers sa destinée, clairement. Son chakra du cœur, ben justement, appelle à aller vers cette destinée. Et la destinée, c'est quoi? C'est le plaisir de la vie. Et c'est en dessous du triomphe et du plaisir. Voilà, chakra du troisième œil. Là, c'est quelqu'un qui a complètement changé sa façon de voir sa vie, déjà, la vie en général, le sens de la vie en général, et ben, sa vie à elle ou lui, hein. Et là, qui va clairement vers, ben justement, ce nouvel amour. Vers, ouais, sa destinée. C'est exactement ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre, justement? Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, oui, l'oracle des miroirs. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas pris. Excusez-moi, si je l'attrape. Alors, et là, les guides me disent de prendre d'abord quelques cartes de l'oracle bleu. Et oui, on y est, l'hiver, la campagne. C'est quelqu'un qui prend plaisir. Voyez, on a encore la couleur du chakra sacré, qui prend plaisir à être seul dans la nature. Alors que c'est pour beaucoup des personnes qui se disaient non, qui n'aimaient pas ça ou qui ne ressentaient pas forcément le besoin. Et là, c'est un plaisir, c'est un apaisement. Alors, s'il vous plaît, que va faire cette personne après? Hop là! Ben alors là, sur le nouvel amour. Le jeune homme. Alors, c'est le masculin ou la masculine, mais en tout cas, c'est quelqu'un, ben c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est des émotions, c'est des ressentis, ben, qui le font redevenir. Allez, c'est ça, c'est une deuxième jeunesse, quoi. C'est quelqu'un qui, quand il vous voit, ou enfin, quand vous voyez, c'est comme si vous aviez 15 ans, c'est exactement ça. C'est l'amour, ouais, c'est comme. L'innocence, c'est une sensation que cette personne n'a jamais ressentie finalement. Les arts, c'est un bien-être. C'est quelqu'un qui est doué, c'est une personne qui est artiste. Alors, ça peut être dans n'importe quel domaine, mais quelqu'un qui prend plaisir à jouer avec des peintures, des instruments de musique. La cuisine. Des personnes qui, bah, qui jusqu'à présent, on va dire, trouvaient le réconfort, on va dire, dans justement ce qui les passionne. Mais là, il manque encore quelque chose. Il manque justement, bah, ce qui vient de l'intérieur.
cette personne. Et là, bah, c'est ça, la recherche de tout le monde, finalement, c'est ça, hein. C'est cette personne avec laquelle bah, justement, on sera dans cet état-là, hein. On se sentira serein, c'est ça, la sérénité. Alors là, on a la tortue vers la maison, vous voyez, c'est une personne qui a mis le temps, mais qui revient à la maison. C'est ça, hein. C'est une personne qui se sent pousser des ailes et qui, voilà, le retour à la maison, le chakra sacré, le retour au plaisir, le plaisir bah, de la vie, c'est ça. On y est bientôt, au printemps. Hop là, bah, alors là, le monde animal, ouais. Alors c'est peut-être quelqu'un qui a des animaux. En tout cas, qui se reconnecte à son instinct. C'est exactement ça. Parce que c'est quoi les émotions, tout ce qu'ils ne voient pas, hein, comment on va dire, l'intuition, tout ça, ben, c'est l'instinct finalement. Quand on dit l'instinct, ben, c'est ça. Et en se reconnectant à son instinct, ben, voilà, il n'y a pas photo. Hein. C'est quelqu'un qui va vous donner des nouvelles. Là, je vois une lettre. Alors, ça peut être du courrier vraiment. Ça peut être ben, par message ou par. Ou une visite, hein. Une visite vraiment, mais en tout cas, c'est une personne qui veut, waouh, et qui va vous raconter, c'est le bouleversement là. C'est une personne qui est en train de vivre le bouleversement de sa vie, en tout cas, un des bouleversements de sa vie. Elle pensait qu'elle les avait déjà passés, mais alors là, voilà, l'effondrement. C'est quelqu'un qui est en train de vivre un effondrement, ben justement, voilà, le chagrin. Mais c'est la fin du chagrin, vous voyez, parce que c'est une personne qui est restée dans le chagrin, dans la peine, dans le sacrifice. Et finalement, ben c'est, il y a un moment donné où, voilà, l'effondrement va permettre justement d'aller ben vers ce nouvel amour, cet arc-en-ciel. Alors, s'il vous plaît. Oh, ouais, ben je l'ai dit avant, alors. Ouh, ben alors là. C'est quelqu'un, vous voyez, qui va se séparer. On a la séparation sur et le message. C'est une personne qui va se séparer, ben, justement, peut-être de personnes, de situations. Ça peut être aussi professionnel, hein, j'entends, parce que ou plusieurs choses en même temps. Parce que et vous voyez, là, on a plusieurs, mais aussi qui va se débarrasser de ses masques, de ce qui la retenait. Elle-même, cette personne finalement, elle se retenait elle-même et elle va se séparer de ça. Alors là, on a le message, vous voyez, c'est sur les obstacles et les défis. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui va se séparer aussi. D'ailleurs, le 9, c'est la transition, hein. C'est l'achèvement. Hein. Là, c'est fini. Les obstacles, on les passe. Le sacré, non, c'est sur le sacrifice. Voilà, c'est ça, on va se séparer avec ce sacrifice. Et le message, le défi. Et c'est ça, c'est quelqu'un, c'est un défi, c'est une personne qui a longtemps voulu contacter, vous contacter, hein, ou l'inverse, mais qui, c'était comme un défi, hein, parce qu'en même temps, c'est une personne qui, j'entends un coup, c'est comme si c'était quelqu'un, là, jusqu'à présent, qui faisait un pas en avant et deux pas en arrière. Donc, c'est comme un défi. Mais là, je le vois encore, c'est quelqu'un qui va se faire violence à lui-même bah, pour aller justement vers cette lumière. Et vous voyez, on a encore l'arc-en-ciel, le message. Attendez-vous à recevoir un. C'est vraiment quelqu'un qui est bouleversé intérieurement. Alors, ça peut être le bouleversement parce qu'on a vu l'effondrement, bah forcément. Dans sa vie matérielle, hein. Mais c'est parti du bouleversement, bah forcément intérieur. C'est un bouleversement intérieur en fait qui a fait que cette personne a complètement changé d'attitude, de façon de fonctionner, et du coup son entourage. Ouais, j'entends son entourage, ça ne l'arrange plus. C'est quelqu'un qui n'est plus, j'entends, docile, soumis. Donc c'était fait, on va dire, subtilement, mais cette personne, c'est ça qu'elle était finalement. Et là, elle s'en est rendue compte. Elle a complètement, elle ne se laisse plus faire, voilà, clairement. Et du coup, eh bien, des personnes. La mettre justement dans la culpabilité, dans la peur, dans le doute.
Parce que ces personnes, je vois comme quand on tient un chien en laisse, un chien ou n'importe quel animal, et c'est ça, ces personnes-là, elles le tenaient, même si la laisse était longue, mais finalement c'est eux qui tenaient les rênes. Et là, comme ces personnes ne se laissent plus faire et se rebellent d'ailleurs, ben là, ils sentent qu'ils n'ont plus le contrôle. Et ben c'est du coup, c'est de pire en pire. Hein. Là, j'entends, c'est de pire en pire. Et justement, c'est ça qui provoque le bouleversement intérieur de cette personne. Et je vois l'illustration justement du tarot psychique. Le bouleversement, c'est quelqu'un qui est comme ça entre des murs et qui est resté comme ça. Mais au plus il reste comme ça, au plus ça se referme, quoi. Ça se referme et c'est exactement ça. Le corps, à un moment donné, il s'est plus bougé. C'est exactement ça. Et là, pouf, d'un coup, wow, c'est quelqu'un qui s'ouvre et qui fait, comment qui fait sans éclater tout ça, quoi, qui fait table rase et qui va vous expliquer tout ça, qui va vous... C'est une personne qui est complètement... qui a changé, bah c'est ça, de vibration, d'énergie, hein, c'est exactement ça. Hein. C'est une personne qui était plutôt dans le pessimisme, allez, par rapport à lui, hein, par rapport à sa situation, hein, dans tout ce qui était sacrifice, on a vu les eaux brouillé finalement, c'est quelqu'un qui était brouillé, on le brouillait de façon à ce qu'il fasse du surplace et que c'est exactement ça, qu'il ne progresse pas. Mais là, alors en fait, il pouvait progresser, mais seulement avec ce qui intéressait les autres. Mais là, c'est une personne qui progresse intérieurement en elle-même et du coup, bah forcément, qui va. Voilà, la loi, comment on va dire? L'équité arrive. Alors, s'il vous plaît, le miracle, c'est le miracle de la vie. C'est quand on va vers, justement, quand on sort du sacrifice et qu'on croit que les cadeaux de la vie vont arriver, ben, ils arrivent. Waouh, l'initié, voilà. C'est une personne qui s'initie, c'est sur le monde animal, mais justement, à n'écouter plus que son intuition. Ses ressentis, ses émotions. Et là, du coup, bah forcément, j'entends ces volte-face, tout change du tout au tout, quoi, forcément. Tout, c'est comme la carte de l'effondrement, quoi. Tout s'effondre, mais pour tout reconstruire. Voilà. Bon, là encore, c'est quelqu'un qui est resté dans ce sacrifice, qui se mettait finalement lui-même le couteau sous la gorge. Et là, allez, il va. C'est vraiment un bouleversement intérieur de se dire waouh, mais qu'est-ce que je fais quoi? Qu'est-ce que je fais? Là, le compteur tourne et j'ai plus le temps de rire finalement. J'ai plus le temps d'être une girouette. Voilà, j'y vais. Waouh, vous voyez, c'est une personne qui a son guide. Son guide ne le lâche pas. Depuis tout ce temps-là, vous voyez, c'est quand, et je vois comment la lampe d'Aladin, la fumée là. D'ailleurs, c'est quelqu'un. Je vois le tapis d'Aladin là. Et c'est ça, c'est une personne qui par moment, pensait à tout ça, hein, à la magie, et qui faisait des vœux. Hein. Ben là, le vœu, il va être exaucé. Waouh. Alors, eh bien, justement, on va voir un message. Et eh bien là, mes guides me disent que l'oracle des miroirs, ça sera pour la prochaine guidance. Alors, ouais, les fées ont un message pour vous. Justement, les fées qui sont, hop là, ben dans la nature, les gnomes, éléments de la terre. Fais preuve d'esprit pratique, sois réaliste et plus organisé. C'est un bon moment pour mettre de l'ordre dans ta vie. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui est réaliste, qui se dit, bon, alors là, de toute façon, depuis tout le temps que je suis en train de douter, d'avoir les peurs, etc., finalement,
Si je suis vraiment réaliste, je me dis que voilà, c'est à peine perdu. Hein, voilà. Et c'est quelqu'un, ben justement, qui va mettre de l'ordre dans sa vie et surtout dans ce qu'il veut et dans ce qu'il ne veut plus. Voilà. La fée du printemps. On l'a vu avant. Hein. Là, on est. C'est le nettoyage, là, j'entends. On est en hiver. Ben oui, c'est le nettoyage. Et voyez, après le nettoyage. Parce que c'est ça. Quand on est. C'est une personne qui, justement, avec les. En allant dans la nature, en se reconnectant à son instinct, etc., ben, se nettoie, se libère de ses ressentiments, etc. Et du coup, peut accueillir tout le positif. Parce que quand on est, par exemple, quand on est voilà, rempli, on va dire, de négatifs, de ressentiments, etc., c'est plus difficile à faire rentrer. Mais là, comme cette personne est là, assimiler tout ça, elle s'est imprégnée, d'ailleurs c'est le bouleversement total. Alors c'est comme l'hibernation, j'entends, hein, c'est ça, hein, le bouleversement, hibernation, se retrouver, voilà, se dire que bon, ben voilà, c'est ça, ben, c'est ça la vie finalement. Et le compteur tourne, donc justement, voilà, le printemps, au moment du printemps, c'est quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. C'est exactement ce que se dit cette personne. Il est temps de se remuer et d'agir. Et là, mais c'est ça, cette personne, ça fait longtemps qu'elle se dit ça. Mais à chaque fois, il lui arrivait quelque chose. À chaque fois, des situations où des personnes leur mettaient dans ces eaux troubles, hein, finalement. Ce qui a contribué, bah, à la perte de temps. Hein. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui se disait ça, qui ne le faisait pas. Pourquoi? Eh bien, justement, parce qu'elle était à chaque fois rebaignée dans des basses vibrations, finalement, hein, tout ce qui est négatif. Mais là, ce bouleversement, cet ultime bouleversement, j'entends, parce que c'est vraiment. Un mal-être intérieur, j'en vois des personnes qui n'en reviennent pas de ne pas s'être rendu compte de la supercherie qu'ils étaient en train de vivre, dans laquelle ben, ils se laissaient entourloupiner. Et là, justement, c'est l'hibernation, c'est ben, pour. On va dire, ben, pour. C'est ça, réaliser. Bah, guérir de ça, c'est ça, de ses ressentiments, hein, parce que c'est quelqu'un, c'est une personne qui s'en veut à elle-même, hein, qui s'en veut à elle-même bah, de ne pas s'être rendue compte plus tôt, de ne pas avoir réagi plus tôt, justement. Mais c'est un temps d'adaptation, c'est ça, c'est normal. C'est pas le jour où on a un bouleversement, où on a une révélation. Alors, on peut se le dire, bon, c'est fini, j'en peux plus, voilà, c'est fini et tout, sur n'importe quoi, ok, mais ça se fait pas du jour au lendemain. Il y a un temps de. Que ça. Et c'est ça. Entre ce moment-là et le moment où on le fait vraiment, ben, il peut se passer des mois. Et c'est exactement ce qui se passe. D'ailleurs, tout va par cycle, par saison. Voilà, la saison prochaine, il est temps de se remuer et d'agir, ben, justement, pour planter les graines d'un futur merveilleux. Alors, un message des anges. Et puis, on passera. Ouais, là, les guides m'ont dit que je ne vous ai pas dit. Est-ce que vous avez fait n'importe quoi, même 5 minutes, rien que pour vous, quelque chose qui, bah, pour vous chouchouter, pour prendre soin de vous, qui vous fait plaisir, qui vous met en joie et qui vous fait rire. Waouh! Bah, alors là, protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Voilà, pour ces personnes, pour des personnes qui auraient encore peur, ce n'est que c'est l'ego, hein, ça qui vous. Et voilà, vous êtes protégés. Et je revois la carte du départ. Croyez que vous l'avez reçu et vous le recevrez. Donc les aides, le futur merveilleux, tout. Voyez, destin. Ton destin est de prospérer, de briller et de transformer son cours en un avenir radieux. Voilà. De ne pas rester dans les eaux troubles. Eh bien, mes petits anges, mes petites perles, moi, en tout cas, je vous remercie
pour votre présence et pour votre confiance. Je vous envoie surtout toutes mes énergies protectrices, guérisseuses et positives. Faites n'importe quoi qui vous fait rire, qui vous rend joie, qui rehausse justement vos vibrations et qui vous rend enthousiaste et optimiste, même si vous voyez que ça en agace. Voilà, ils pourront que prendre exemple sur vous quand ils se seront délestés de leurs ressentiments et de leur mal-être. Voilà. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée ou une excellente journée. Prenez bien soin de vous parce que vous le valez bien. Je vous dis à très bientôt. Gros bisous.